Rire de... Putain. Ôte-moi d'un doute. Ôte-moi d'un doute. Rire d'hélico. Rire de trottinette électrique. C'est un médecin, il est appelé en urgence par un homme d'affaires très très riche. Et il dit, bon, j'arrive tout de suite. Parce que bon, le mec, c'est son meilleur client. Il lui donne un salaire pour qu'il arrive. Alors le mec, il arrive dans la maison, une maison monstrueuse. Et il voit le mec en robe de chambre, tu sais, et la femme à poil, en grand écart sur le carrelage. Il dit, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi vous m'avez appelé? Et le mec, il dit, ben en fait, cette connasse là, elle faisait le grand écart à poil et elle est restée collée au carrelage. L'autre, il dit, ouais, c'est l'effet ventouse ça. Il dit, ouais, ben vous avez un marteau à burin? Il dit, pourquoi faire? Il dit, ben il faudra casser petit à petit tout le carrelage qui est autour de son clito. Il dit, pour pouvoir la décoller. Il dit, attendez! Un carrelage qui m'a coûté 300 euros le mètre carré, non, vous vous foutez de ma gueule! Il dit, bon. Et là, il commence à lui caresser le clito comme ça. Tu sais? Et le mec, il dit, oh, je vous permets pas de caresser le clito de ma compagne, là. Il dit, non, non, mais là, je la fais mouiller, comme ça, on pourra la tirer dans la cuisine. Et le carrelage est moins cher, là-bas. Elle chie.